Ça va être un match incroyable. Ouais, c'est juste la télé qui est mal faite. Ok, un choix assez astucieux en vrai PS2, je pense, qui est bon pour les deux, assez favorable. Mes écarts comptent super bien. Ah, ils ont des kills tous les deux par le haut, hein, et on le rappelle, le plafond est très bas sur PS2. Donc, très intéressant, hein, très intéressant. Que le combo va sortir avec brio dans les mains de Eldinar, du moins on l'espère pour lui. Pour l'instant, c'est Eldinar qui a l'avantage, c'est vraiment pas mal. Ça se joue, Zegar qui charge le fermier de sa boule, qui cherche à chaque fois les air dodge, il les cherche, hein. On le sent. Hein. Mais franchement, là, Eldinar, il sait pas faire. Moi, franchement, j'aime bien son gameplay, il me fait plaisir. Joli ledge trap, ouais, le smash qui est bien passé. Pour ensuite passer un petit down smash. Oh, déjà, il est dédié. Eldinar, c'est ton moment. C'est ton moment pour l'upset, il faut en profiter, il faut tirer parti de cette erreur. Eldinar joue la défensive et il tente une agression qui est ratée, directement punie pour une phase de jeu gueule répondue. Ouais, directement le jab. Et ce jab il fait quand même plutôt mal en vrai, hein, il faut le dire. C'est un des jabs qui fait le plus de dégâts si je dis pas de bêtises. Il peut monter jusqu'à 25%. C'est bien possible. En fait, vu que c'est un multi-hit et qu'en plus il y a un système de peinture, il va faire en sorte qu'il prenne de plus en plus de dégâts. Non, c'est vraiment pas mal. Ouh, pour l'instant, en tout cas, il prend vraiment une bonne avance. Il y a déjà 5% en avance alors qu'il n'est pas encore prêt de mourir. Il n'est pas à quel pourcent. Après, Mewtwo peut nous donner des surprises. Un petit perf dans les confins, la blind zone, il y a moyen. Il quand c'est fini, de l'aide trap, mais Eldinar est d'une patience monumentale. Il n'a pas du tout envie de commit. Là, il réfléchit bien, il sait qu'il a l'avantage. Il joue bien safe, le 2 qui passe, ok. Joli le mix-up. Et ça passe avec un fer, ok, j'avais jamais vu ça encore. Pour l'instant, Eldinar qui joue très très bien. Ah, mais il se fait envoyer ça à la boule. Hein. Il joue dans son safe space, hein. Il refuse de jouer un neutral chaotique. Oh là là, il passe sous bien la boule. Oui. Le Bouya, non, il ne passe pas encore. C'est pas encore les pourcentages. Le Donner qui ne tubera pas encore. Et Zekwar qui ne veut pas jouer ses passes davantage. Hein. il pourrait refermer le terrain, il ne le fait pas. À croire que peut-être qu'il a peur de ce Inklink. De cet Inklink. Après, c'est sa première game, ça m'étonnerait pas qu'il ait pris ça un peu à la légère. C'est même un excellent joueur, surtout qu'il était PR à Lyon. Moi je pense qu'il a encore beaucoup de surprises à nous réserver. Voilà, t'en parlais. C'est le moment maintenant pour lui de rattraper. Mais ouh, le Bouya qui passe. Eldinar qui a une stock d'avance, c'est ton moment. Il faut vraiment qu'il arrive à gratter. Hein. Mais là Zekar il se laisse pas faire. Directement, il commence. Il va lui montrer. On connaît Mewtwo, hein, en ledge trap, il est très 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 dangereux. En ledge guard, pardon. S'il avait mis le downer à la fin, on aurait une dinguerie. C'est vraiment bizarre de Hilo Siri, tu vois. Vraiment, c'était la même chose. Ok, il passe à travers son air. C'était assez bizarre comme interaction. Le jab. Là, on en reparle. Ce jab qui est long, qui poke bien, mais qui a été maintenu un peu trop longtemps. C'est surtout le fait qu'il couvre l'air dodge, c'est super intéressant. Ok, bien joué. Oh, ouh, joli. C'était un très beau setup. Belle lecture de jeu. C'était un très beau setup. Et le backer qui passe. Ah, il cherche le rouleau. Il sait qu'il a un smash après. Ce serait vraiment déterminant pour la game. Ah, voilà. Non mais Zekar il fait aussi des très bons mix-up au niveau de ses recovery. Pour l'instant j'ai rencontré dans la P4, toujours des angles différents. Clairement, ce qui est en plus impératif pour Mewtwo, hein, avec la potinette et son taux qui est fort prévisible, il faut vraiment parvenir à mix-up tout ça. Attention phase 2. Zekar peut vraiment chercher mais ça passe pas. Ça fait deux fois qu'il met le même fer et deux fois, une fois ça l'a tué, ça t'a fait le tuer. Il sait ce qu'il fait. Et le FT qui passe. Belle couverture. Non, c'était une belle couverture. Cette couverture là, Eldinar doit jouer de ses doigts pour aller chercher le kill. Hein. Ah mais vraiment. Le Bouya qui est bientôt prêt au niveau des setups et des pourcentages. Oh, Zekar qui cherche des setups, hein, on le sent. Hein. Il veut pas laisser faire, je pense qu'il l'a téléchargé tout doucement là. Hein. Il met un backer, c'est fini hein, dans la zone. Attention, le père. Non, la DI est correcte. Ok, oh très belle. Très très bien joué de la part de Zinar qui a été très patient. Le grab ne passe pas, hein. Ça peut tuer à ce niveau-ci. Hein. Il était quoi qui était retourné, je sais pas si tu l'as vu. Il a fait un léger pivot hein, pour pouvoir se positionner. Là ça devient compliqué, Eldinar. La game est en train de lui échapper des doigts. Ouh, ok, ça passe. Là, hop, il a attendu, il s'est bien joué. Oh, le Bouya peut-être. Oui. Eldinar, première game, peut-être l'upset. Oh là, c'était peut-être l'upset. Game très intéressante. Hein. Ouais, enfin, ouais. Eldinar avait l'avantage, mais il a vraiment profité du fait que Zekor avait fait cette petite SD. Il allait avoir une avance. Ça a été vraiment utile. C'était très utile, mais. Les deux joueurs concentrés, focus. On va avoir sûrement Zekwar qui se reprend tout doucement. Voilà. Et ça va être le jeu de Eldinar, du coup, ne pas se précipiter. Garder son sang-froid sur cette première win et. On va pouvoir voir dérouler. Ce que c'est, hein, finalement, une game sans Eldinar de Zekwar, enfin, je suppose. Et on va voir si Eldinar va continuer à tenir. Peut-être une adaptation de l'équipe de Zekwar. On ne peut pas non plus tout laisser à la SD, parce qu'il a eu un avantage. Clairement, surtout dans le mindset de la game. Merci. Voilà, donc la game qui a bien repris là. Hein. Et qui est déjà bien très ouverte hein, de la part de Zekwar. Hein, voit 28% sur le jeu. Ah ben voilà, comme voilà, tu on l'avait.
Le jab qui passe pas. Ok, up tilt, up air. Pas deuxième up air. Il a coiffé ses petites boules. Hein. T'as un vrai, je basse, t'as raté. Il y a toujours une en bas, une au-dessus. Quand ouais. Il essaie de catch le saut, il se dit, l'adversaire va sauter, il a l'habitude. Et il se la voit. Ouh, le smash qui passe. C'était magnifique, c'était magnifique. Il était dans sa tête. Ah, il était vraiment. Il était dans sa tête. Mais j'ai dit, après, c'est quoi, faut pas le sous-estimer. Je pense qu'il a cette adaptation. Il va s'adapter. J'espère pour Ezinar que non, mais je me demande s'il a pas tout donné au début et que finalement il a plus rien à réserver. Ce serait dommage pour lui, mais on va voir. Ce serait vraiment dommage. À lui nous prouver le contraire. À lui nous prouver le contraire. C'est quoi, un peu trop agressif là. Ah, mais là, il a la punition hein. Présente. Mais il sait que s'il tue, il va vraiment avoir cover. Hein. Petit Ezinar, meeting put hein, de Ezinar, on l'a vu. Il y a eu un petit. Le Fear Factor a eu de l'effet, il a marché. Le qui passe. Il est très très constant parce que c'est pas si facile à faire, mais là il s'enchaîne. Hein. C'est pas facile à faire et surtout c'est dans une zone très fermée de pourcentage. Oui, c'est vraiment genre 10% par personnage, hein. Il faut bien les connaître en plus. Après, ça ne tiendrait pas qu'il ait révisé un peu une petite fiche avant. Du coup, c'est comme un personnage assez atypique. Ah, clairement, hein. Oui, c'est... La boule, c'est bien joué. Le fer. Sur le fer. Et là, t'as bien dangereux. T'as bien dangereux. Ok, continue. Vous mixez, mais qui se fait catch par Zeka. Qui va le chercher, hein. Il va le chercher avec ce back air. Il peut l'avoir. Ah, mais il l'attend. Hein. Ok, bah c'est vraiment à rien. Là, on vient de revoir encore une petite shower. Je sais pas comment on dit, shower bomb, shower je sais plus quoi. Shadow, voilà, okay, shadow. Ok, oula, c'était intéressant. Le chat. Ok, oh, il l'a trouvé. Et Ezinar, à la dernière stop, peut-être vers l'upset. Je ne sais même pas si c'était trop, mais pourtant, il a été cherché. Tout Bruxelles le regarde. C'est la dernière stop potentielle. C'est le 1-1. C'est peut-être la stop de match. Ou la boule qui passe, pas de combo derrière. Zekar qui a vraiment peur. T'as vu la double air dodge. Le combo qui passe. Non, le pas oh là là, c'est très bien joué. Mais Zekar, il ne laisse pas respirer là. Il montre qu'il sait. C'est quoi, là il en a marre, son, il est énervé. Son moto, il est énervé. C'est le méchant dans le boss animé. Il le prête, c'est là. Et il l'a. Non. Bondi, il parle pas de papa, tu le disais, il va le chercher, il s'en fout, il veut aller le graille. Il sait qu'il a rien à perdre, il est venu, il a mis sa grosse patate de forain. C'est vraiment bien joué en tout cas. C'est une des forces de Mewtwo et il exploite parfaitement ce pouvoir d'être dans les airs, partout, omniprésent, et toujours mettre une inquiétude sur est-ce que je vais venir te chercher le en fait, tant qu'il a est-ce que je vais le saut, il peut revenir depuis n'importe où. Et donc, il n'hésite pas à partir, il n'hésite pas. Il a, comme tu dis, ses hitbox assez larges, il peut te chercher n'importe où, que ce soit son upper, son downer, son backer, il vient te chercher, il vient à la bagarre. C'est Mewtwo, tu vois, et là c'est intéressant. Et c'était un match serré, hein. Mais comme tu l'as dit, peut-être que le SD de la game passée a permis à Ezinar de voler cette game. Après, là, il était pas loin, mais c'est quoi, il était pas loin. Impérial sur la dernière stock. La dernière stock, il l'a il déroulé. Il s'est mis en mode sérieux, il a activé le mode sérieux, il lui a laissé aucune chance. Là, le match qui reprend. Je pense vraiment que c'est la première stock est déterminante dans ce match. Ça fait deux fois que ce gagnant, la première stock a gagné, tu vois. Ça ne donnerait pas. Ma plate est très grande, très très grande, ce qui va permettre aux deux joueurs de s'exprimer avec leur projectile. Ah, c'est sûr. Moi je pense que c'est une très bonne map en vrai pour Inkling. Hein. Vous allez voir un peu moins de jungle de la part de Zekwar avec son repère, mais en même temps ici de les bouillards vont être beaucoup plus facile à faire quoi. Clairement. Voilà, tu vois la tête ouais, au-dessus, ouais, hein. Elle marche, tout, hein. Au-dessus. Le fer qui n'est pas trouvé. Et là il y a de la panique, hein. Côté de Ezinar. On a vu une air dodge qui était un peu paniquée, et là le fer. C'est quoi qui joue de façon beaucoup plus nerveuse, je sais pas si t'as remarqué, il place des fers, des down tilt. Il essaye de read. Il faut retrouver ce truc en froid du côté de la Belgique. C'est impératif pour pouvoir aller chercher la game. Allez, le Reaper Snare qui venait sur un down smash mais qui n'a pas été trouvé. Premier upset de la première weekly bruxelloise. Organisé par la VF, on n'oublie pas. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Ezinar, tu gagnes peut-être ta place dans l'équipe. Allez, ah, c'est ça comme ça. Gros pou. Voilà. Non, c'est vraiment une première stock. Oh joli, oh là ta, là, joli le, ça la Tomahawk, le Tomahawk qui a été cherché mais qui a pas trouvé de combo. Ouh, il l'a remis direct. Il l'a vu, hein. Et voilà, comme tu disais, il vient de chercher la bagarre. Voilà, plein de quoi. Il veut concerter et être sûr de gagner. Ah là, il joue sur la panique de Ezinar, il l'a. Il va à chaque fois faire des SD de. Pardon, des air dodge de panique. Il est toujours là. Il est toujours là pour l'avoir. Et en même temps, Mewtwo, on le rappelle, il fait peur, hein. Il a des hitbox, il te flingue la gueule. Ah, mais il prend le stop en 10 secondes, hein. Très bien joué, hein. Joli ça, le river qui a permis de canaliser la bombe. C'est bien joué. Là, il reste bien loin. Pas. Il fait hitbox. Oh, il a mis le stop, mais il l'avait. C'est quoi la il l'avait. Ça fait deux fois. Oh, tonnerre, moi je l'ai vu. Je l'ai vu dans un autre monde. À la end. Mais Ezinar, voilà, là il s'est réadapté. On l'a vu, il a repéré, il a fait semblant de faire un tomate. Oh, sauf qu'il a peur. Ezinar n'a pas encore. Laissez tomber. Ah là là, la stock de match pour Zekwa. Comment il va faire? Oh, le combo qui ne marche pas. Ouais, la le boule. Combo qui a du mal à se fixer, hein, sur le nerf Mewtwo. Il essaye de l'assassiner. Le sphère, non, toujours pas. Ah, il essaie, là hein. Par contre, il y va peut-être un peu trop fort. Là, Zekwa, il s'amuse. Là, on voit, il essaie des setups, il essaie des trucs, il ne le laisse pas passer. On est full peinture, tout rose, un chewing-gum.
Il est super drôle comme ça. Ok, c'est... Oh, dommage, le grab n'est pas passé. Le F smash. Là, il a géré son... Il l'avait vu, hein. Il l'avait vu. C'est très serré, hein. Là, on a un combo, c'est quoi, on peut l'avoir. Un combo suffit. Un petit down tilt faire et c'est fini. Attention, Edinar, on arrive souvent par les airs. Très, très, très souvent par les airs. Ça devient très compliqué, hein. Mais tout est possible, hein. Petit encore une fois, SD. Touche-le. Et le big hit, pas, on y est presque. On y est presque. C'est rien. C'est potentiellement le coup du match. Allez, c'est ton moment. C'est ton moment. Aïe, 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 aïe. Par le up. Ouais, et ça tue. C'est voir qu'il s'est pas laissé faire. On a tier upset, il a fait. Jamais. Jamais, les gars. Jamais. Et Dinar, c'est quand même magnifiquement bien défendu. Ouais, c'était un très beau match. Un match à analyser, Dinar. Hein. Va regarder la VOD après.